Attention, 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 je sais, dans le titre, j'ai dû mettre un truc très provocateur concernant la fusion, genre la team fusion nulle à chier, la team fusion elle est morte, c'est censé être la meilleure team du jeu, je sais pas, mais bref. Le but de cette vidéo, c'est juste pour le plaisir de voir des teams fusion, j'avais envie, se faire détruire. J'ai tourné quelques games, alors bien entendu, les games contre des autres teams que fusion ne sont pas dans la vidéo, c'est normal. Je crois qu'il y a 4 ou 5 games face aux teams fusion, vous allez voir, elles vont se faire détruire d'une manière incroyable. J'ai pris ma team qui fait le plus de dégâts limite. Et alors faut savoir, juste avant, le petit contexte, il y a 2 jours, mon Mac, mon ordinateur, a lâché. Ça fait plus de 6 ans que je l'avais, il m'avait accompagné pendant mes études supérieures et pour YouTube, et il a lâché. J'étais en PLS parce que les iMac 27 pouces étaient en rupture de stock. J'ai réussi à en trouver un hier, donc aujourd'hui, c'est chose faite, finalement, je n'ai été qu'un jour sans ordinateur, heureusement. Et c'est pour ça que j'ai pas un classement assez incroyable, parce que pendant 2 jours, en fait, je n'ai pas joué. Donc j'étais hors classement, j'ai déjà fait les games, du coup j'ai récupéré quasiment 5000 places, ça fait plaisir. Et vous allez voir, justement, c'est juste pour le plaisir des yeux, de voir des Kefla se faire 2-3 strikes, de voir des Vegetto Blue se faire 2 strikes, de voir des SVLF se faire des pop à contre-type, enfin... Vous allez voir, la vidéo, elle en dit long, on va enchaîner, le format là, c'est, on va enchaîner. Ça va faire game de fusion, il n'y a pas de blabla, vous allez voir, enfin pas de blabla entre les games. Donc, vous avez le topo, et c'est pour vous montrer que la fusion, oui, c'est très fort, oui, c'est sans doute la meilleure team du jeu, mais même si la fusion ne laisse pas le droit à l'erreur à l'adversaire, et bah la fusion, quand t'as une team comme celle que je vous ai déjà montrée dans une autre vidéo, et bah la fusion, elle fait une erreur, c'est fini. C'est fini, en fait, avec cette team, j'ai l'impression de jouer face à une team fusion, comme si c'était une team classique. Vraiment, ça reste très fort, parce que ma team non plus n'est pas super tanky, mais bref, je vous laisse avec les games, une image vaut mieux que 1000 mots. Et donc, bah, c'est parti. Donc ça fait très plaisir, on va dire. On va dire, hein, on va vraiment dire que ça fait plutôt plaisir. Oh, ça fait mal. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça, c'est très bien joué, ça. On détruit 2 cartes. Ok, parfaite esquive. Oh, ça, c'est pas bien, ça. Ouais, ça, c'est pas bien parce que... Oh là 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 là, cette team! Waouh 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 waouh, ce Vegeta il date de quand? Déjà il date de quand? Il date de quand ce Vegeta? C'est insane hein. Bon là on s'est fait attraper, s'il y a Kefla, on met forcément Vegeta. Et là il a pas le Rising Rush logiquement, on a déjà pris un gros avantage hein. Cette team, elle peut détruire la team fusion, hein, vraiment. Hein. Donc là, à moins qu'il y ait un stun ou un rising rush, normalement, on est bien. Normalement, on est très très bien. Ok, nice. J'accepte. J'accepte. Dommage. À la limite, ça m'arrange. Hein. À la limite, ça m'arrange qu'il fasse ça. Parce que là, du coup, il a plus le main de Kefla. Ah, malheureusement, on contre pas. Ça va être problématique. Il y a encore le main de Vegetto, mais on a Goku 4 pour se sauver. Et du coup, mon Rising Rush, il est parti dans le vent ou pas, là? Parce que j'ai peur. Non, il est pas parti dans le vent. Oh, bien joué. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Oh là 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 là, ça tape fort. Hein. Bah oui, mais ça marche pas, hein. À un moment donné, ça marche pas. Hein. Bah oui, il faut... Bah oui, mais Kefla, tu es bien mignonne, mais bon... Quand tu prends des blasts de Goku 4, ta cover strike, elle sert à rien. Enfin, ta cover blast, en l'occurrence. Bon, il m'a fait mal, hein. Vous avez vu, ma team, elle est pas très tanky, mais c'est un peu comme la fusion. La team que je vous ai déjà présentée, celle-là, là, elle fait mal, mais elle fait mal. Par contre, faut faire attention de pas trop se faire toucher. Ok, team fusion encore en face. Alors là, vu qu'il va y avoir peut-être plein de games dans la... Oh là, ça, c'est pas bien, ça. Ah, il a pas, d'accord, ok. Très, très étrange ce qu'il a fait, je pensais vraiment qu'il allait switch. C'est d'accord, pourquoi pas. Ah, dommage, je pensais qu'il... Ok, le mec il attaque, très très bien. C'est pas super intéressant le dispel sur lui, mais bon, pourquoi pas. On accepte de bouffer, pour le moment il tank bien. Enfin, il tank bien, non, mais bon, ça va, c'est quand même Vegetto Blue en face. C'est pas méga utile, mais pourquoi pas. J'ai... D'accord, le pas de côté, encore une fois, qui ne s'est pas lancé, c'est un peu énervant quand ça fait ça, hein. Honnêtement. En ce moment, il y a des petits problèmes de pas de côté. Hein. Ah, oh, ça s'est touché.
Ça s'est touché et 50% de réduction. Une blast suffit. Voilà, salut mon pote. T'es mort. Oh, c'est débile. Oh, la blast, c'est débile, hein. C'est complètement débile. C'est complètement débile, cette team, je vous l'ai dit, elle fait trop de dégâts. Et la fusion, qui est la team la plus forte à l'heure actuelle, enfin, depuis le début des deux ans, bah, elle se fait détruire. Bon, le contre, malheureusement, on va... Est-ce que j'accepte de le perdre ici? Oui, hein. Oui, j'accepte de le perdre, comme ça, ça le stoppe, en fait. Bah, pff, alors là... Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un instant. Bien joué! Ah bah non, pas bien joué. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, pas bien joué. Il a vu mon pas de côté partir, non? Oh, bien joué! Ah bah non, 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 ça m'arrange complètement, ça. Eh non, ça m'arrange complètement, puisque du coup, si Rising Rush, lui, il va être en 1v1 face à un jaune, et en plus, tu te fais contrer. Donc quand tu te fais contrer, tu prends un combo entier de Goku 4. Ça touche pas, ça, malheureusement. Ah bah si, ça touche. Est-ce qu'on est sur un one-shot avec des avantages type? Est-ce qu'on est vraiment sur un one-combo? Parce que là, du coup, vous avez compris, si j'avais charge step... Oh, c'est débile, hein. Ok, c'est fini. Bien joué, mais la team est trop forte, hein. La team est très très forte. Ah ouais, non, la team est très forte. Vous vous rendez compte qu'on a one combo, quasiment le Végéto, avec un combo à contre-type. Je vous l'ai dit, le Goku 4, le contre-type, mais il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Et on prend plaisir à déglinguer la fusion, tout simplement. Nul à chier. Ah bah, encore plus nul à chier. Ok. Bon bah, c'est... Oh, oh, non, sérieusement. Pas le choix de faire ça pour tirer des cartes. Pas mal. Ça a pas, bien entendu, hein, sinon c'est pas marrant. Je pensais vraiment que c'était une parfaite esquive, mais pas du tout en réalité. Pas du tout. Alors le mec lag un peu. Bon, les games que j'ai faites avant ne laguaient pas, donc ça vient bien de lui. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. D'accord, le mec fait tout et donc c'est ça le problème de la fusion, hein, c'est que vous avez vu sa team, bah, elle se fait détruire, le mec ne joue pas. Ok. Au revoir. Ah bah c'est fini, hein. C'est complètement fini ici, hein. Oh, j'adore cette team parce qu'elle détruit la fusion, mais je vous jure, mais tellement. Oh, c'est un truc de ouf. Double verte sur Végéto ? Il va y avoir une grosse réduction ici, hein. Comme ça, on va pouvoir faire double bleu. Double bleu. Double bleu. Et on te détruit deux cartes. On remet Goku pour récupérer du ki et des blasts. Et c'est terminé. Trop fort la team. J'ai trouvé une autre team fusion, ça fait plaisir. Et en plus avec le nouveau PVP, on est plutôt bien à ce niveau-là. Et on s'est fait attraper, ce n'est pas grave. Je vais le laisser. Je vais le laisser encore une fois. Parce que s'il switch sur Végéto, je suis pas bien. Et là... Là on met Goku comme ça, si je switch sur SV, bah il aura un switch pour rien. Puisque... Ah ça par contre c'est pas bien ça. Ah ça c'est pas cool ça. Ok. Bah alors là ma pote, alors là ma petite, tu dégages en fait. Oh non, je crois qu'il allait faire un pas de côté. Oh, ça touche, sérieux? On te détruit deux cartes. Ok, bien joué. Je vais le laisser mourir. Je vais le laisser mourir, j'en ai plus besoin. Des avantages, enfin, il a l'avantage sur ni l'un ni l'autre, donc j'en ai clairement pas besoin. Oh, bien joué ça. Très bien joué ça. L'avantage, c'est qu'il a plus de Rising Rush. Donc ça me convient parfaitement. J'aurais du strike, le problème c'est que ouais, quand t'as la team blast, bah c'est pas super méga bien de blast à chaque fois. Hein. T'es mort ? T'es mort ?
Enfin, t'es mort, si je tire une blast. C'est bon. Ah, il est trop fort, ce Goku. Est-ce que vous pensez qu'on lui met 348? Moi, je pense que oui, moi. J'adore cette team. J'en avais marre de la fusion et j'ai trouvé une team qui l'a détruit, mais en 4 secondes chrono, quoi. Ça se met à laguer, hein. Regardez. C'est étrange, hein, comment ça se met à laguer, quand même, non? Ah, c'est étrange, ouais. Ouais, c'est étrange, ouais. Au moins, on a le Rising Rush. Voilà, comme ça, s'il me tue, eh ben, ça se jouera au Rising Rush, ou à la fin. Ça se met à laguer, par contre, c'est très étrange, ça, mon pote. Très étrange. Bah, là, c'est fini, hein. Ah, bah oui, là, je te fais une parfaite esquive. Bah oui, Végéto. J'adore cette team, putain, c'est une série. On n'a pas besoin de Rising Rush pour gagner face à la fusion. Et si on le touche, bah, vous avez vu Kefla. Vous avez vu Végéto. Vous avez vu l'autre Végéto à contre-type. Je vous ai déjà montré cette team il y a pas longtemps, mais je voulais encore vous en montrer encore plus. Bon, alors pour moi, c'est 2 secondes après l'intro, pour vous, c'est quelques minutes après les games. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, cette team, je vous l'ai déjà montré, mais c'était pas suffisant. Ce que je vous avais montré dans la vidéo Goku 4 boosté par Vegeta Blue, c'était déjà très fort, mais c'était pas le truc le plus fort que je vous avais montré, en fait, parce que je savais que la team que je vous avais présentée il y a 2-3 jours, celle-ci donc, que vous avez sous les yeux, pouvait faire mieux. Vous l'avez vu dans cette vidéo, encore une fois, les Kefla, les Végéto, les super Végéto jaunes, avec de la réduction, avec... Enfin, il joue pas, l'adversaire joue si je me fais toucher, bien entendu, mais encore une fois, la team fusion c'est très fort, mais quand vous avez cette team entre les mains, l'adversaire n'a absolument pas le droit à l'erreur. Bien entendu, si c'est le joueur le plus fort du monde, je me fais détruire, bien entendu. Mais même si c'est le meilleur joueur du monde, si je le touche, il est pas bien, puisque la team fait beaucoup de dégâts. Mais du coup, là, dites-moi ce que vous avez pensé de cette team encore une fois. Vous avez vu le combo, on a failli one combo Super Végéto LF quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et même si vous vous avez pas vu entre les games à chaque fois, il me semble. Attendez. Non, j'ai fait trop de games entre temps malheureusement. Donc, ouais. On pourra pas revoir, mais il me semble qu'il avait plus de 5 étoiles. Ou alors, non. Il en avait 3 ou 5, je sais plus du tout. Mais quand bien même. Pas l'avantage type le Goku.
Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette team, encore une fois, les dégâts qu'elle peut mettre sont phénoménaux, littéralement, et la team fusion, pour moi, c'est plus un problème. Quand je croise une team fusion ou une team future, je prends cette team, je me dis, bon, je peux me faire détruire si je me fais toucher, mais si je joue plutôt bien et que je le touche, bah j'ai parfois pas besoin de Rising Rush, ou alors, histoire de pas être dans la merde ou temporiser, donc... Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous.